Le Conseil des ministres d'aujourd'hui a, dans le même objectif, adopté un projet de loi qui va transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. Cela signifie que dans les lieux où ce pass s'applique depuis plusieurs mois, les restaurants, les bars, les musées, les théâtres, les médiathèques, les séminaires et salons, les salles de sport, les enceintes sportives et de spectacle, il faudra justifier d'être vacciné pour pouvoir entrer. Le projet de loi prévoit également un accroissement des sanctions contre les faux passes. Je veux vous dire combien cette pratique me scandalise, comme Premier ministre bien sûr, mais comme citoyen. C'est beaucoup plus qu'un contournement de la loi républicaine, déjà en soi très condamnable. C'est un acte délibéré de mise en danger d'autrui. Aucune conviction personnelle ne saurait le justifier. Dès demain matin, suivant en cela la recommandation de la haute autorité de santé, il suffira de trois mois après votre deuxième injection, ou votre première si vous avez eu le Covid, pour pouvoir bénéficier de votre rappel. Pour freiner Omicron, les grands rassemblements seront limités à une jauge de 2 personnes maximum à l'intérieur et 5000 000 personnes maximum à l'extérieur. Les concerts debout seront interdits. La consommation de boissons et d'aliments sera interdite dans tous les cinémas, les théâtres, les équipements sportifs et les transports collectifs, y compris longue distance. La consommation dans les bars et cafés, ne pourra plus se faire seulement debout, mais seulement de manière assise. À compter de la rentrée, et pour une durée de trois semaines, le recours au télétravail sera rendu obligatoire, je dis bien obligatoire, dans toutes les entreprises et pour tous les salariés, pour lesquels il est possible, à raison de trois jours minimum par semaine et, si possible, quatre jours quand cela est possible. Par ailleurs, l'obligation du masque, déjà partout applicable à l'intérieur, sera étendue et mieux respectée notamment dans tous les centres-villes. Les préfets adopteront les dispositions correspondantes en lien avec les maires. À ce stade, notre volonté d'adapter nos dispositifs À ce stade, notre volonté d'adapter nos dispositifs de manière proportionnée nous conduit à écarter toute mesure de couvre-feu. Nous referons le point à l'occasion d'un prochain Conseil de défense convoqué le 5 janvier prochain. De même, s'agissant des établissements d'enseignement, nous resterons dans la ligne que nous nous sommes fixés depuis le début de la pandémie, à savoir de ne les fermer qu'en dernier recours. C'est pour cette raison que nous ne reporterons pas la rentrée ni ne basculerons les collèges et les lycées en distanciel.